Jouer. Oh, je t'aime aussi, Coco. Je suis doctorante en sciences du langage à Dijon. Je travaille sur l'enseignement d'une langue à un animal. Donc, je travaille avec mon chien, Coco, pour tester certaines hypothèses théoriques qui pourraient servir à améliorer la communication entre les humains et certains animaux. Coco veut quoi ? Donc j'ai vu qu'il y a des gens aux États-Unis qui ont commencé à communiquer avec leurs chiens à travers des boutons sonores. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas travailler avec un chien ? J'ai toujours voulu avoir un chien, déjà. Mais mon compagnon, il n'était pas d'accord. Et bah, du coup, sous le contexte de mes recherches, là, il est d'accord. Coco veut quoi ? Croquette, good boy ! Je lui apprends par deux étapes. Dans un premier temps, donc je lui parle oralement le mot pendant un moment. Et ensuite, j'installe le bouton. Donc au bout de quelques jours, il va utiliser le bouton pour réclamer ses besoins. Par exemple, le sortir, c'était un des premiers mots que je lui ai appris. Chaque fois, avant que je le sors, je clique dessus, sortir, en parlant aussi sortir. Au bout d'un moment, il comprend que le bouton fait le même bruit que moi. Jouer. Jouer bingo. Tu veux jouer bingo avec maman? Et il s'exprime soit par son zoolangage, comme les gestes, les sons, etc. Soit il utilise les boutons. En tout cas, avec les buzzers, maintenant, j'ai l'impression que ça m'a aidé à mieux le comprendre. Et ça renforce notre relation, surtout. Croquette. Viens. Viens, croquette. Ok. En vrai, je suis surprise par tout ce qu'il essaye de me faire comprendre. Donc, par exemple, l'autre jour, quand son meilleur pote humain était dans le couloir, il a cliqué « Je t'aime, copain, veux sortir ». Donc, il a combiné les quatre boutons. Et en plus, c'était la première fois ou la deuxième fois qu'il a utilisé le mot « copain ». Alors, est-ce que Coco comprend-il les notions de temporalité ? Alors, je n'ai pas de réponse pour l'instant. Par exemple, quand je lui dis « sortir maintenant », il est content, il se dirige vers la porte. Mais si je dis sortir plus tard, sortir fini, donc voilà, il se couche souvent par terre avec un regard triste. Et j'ai même fait un test l'autre jour. Je lui ai dit sortir maintenant plusieurs fois, mais je ne bougeais pas. Donc il m'a regardé plusieurs fois, il a regardé la porte plusieurs fois aussi. Et ensuite, il est allé cliquer sur maison. C'était la première fois qu'il a utilisé le bouton maison. C'est comme pour me corriger. Maintenant, on ne sort pas là, on est à la maison. Voilà, mais tout ça, ça reste voilà, une possibilité. Donc, je suppose que c'est possible, mais il faut le prouver par un corpus très solide. Oh oui, c'est bien.